Et foutre à Kampako et Mbouamata. Ah bon? Yo, soana boya bo tomboli, pe bo batte lini salam yeni zali ko salema na Congo démocratique. Pour na ko batte la baïmbo kanabokono yandenge nandenge, et singeli to tele mela bizale lima be, ou ya bo koti sinan koukou, biloko biye bifoutim pako yambouamata rite. To sale la banso, ou babingi marquage sécurisé. Bolandeli tope traçabilité na ekenge kufungola misoga na kosombaka kaka biloko mie mifuti mpako. Merci, je dis malamu na ba congolais nyonso, ba congolais ya motema molamu, ba congolais ya motema mabe. Je dis na bino ezala malamu to pesi bino mbote sika bozalim. 56 sièges pour la législative nationale na niveau ya Kinshasa, 47 na ngambo ya Nord Kivu, mu fokoye bake ezala na ba 47 ezali na version ya 2018 ezala na ba sika mususu oyo na no enrollment salamite. 32 sièges na sud Kivu, 31 sièges na Haut-Katanga, 28 na Kwilu, 28 na Ituri, Congo Central 24, Kasai Central 20, Kasai 19, Tchopo 17, Lomami 16, Sidoubangi 16, Olomami 15, Kasai Oriental 14, Tanganyika 14 moins 1, Sankuru 14, Lualaba 13, Kwango 13, Maniema 12, Équateur 12, Maïndombe 12, Mongala 11, Otuwele 11, Norubangi 9, Chuapa 9, Bazuwele 9. Wane Zali Bongo ba siège, au total Zali 500 sièges. Pour la législative nationale, projet, alors sur la répartition des sièges, Zali Nama Boko, il y a gouvernement oyo bazaka kotala yango bazaka bwa ke yango miswa suka yango te batinde yango na parlement oyo bakavat aussi sa session de mars autres années yango parlement ko pesa biso loi sur la répartition des sièges pe tokoye ba ndenge nini ya ko kende na mapona mairie nkoloba ke train ya election ici longwe na ga pendant que bande ko na biso ya opposition ndakisa lelo oyo le bloc de Lubumbashi baloba ke bakoza na balabala malgré interdiction. Il y a zone 1 n'est pas autorité urbaine. Autorité urbaine, elle est plus que zone 1. C'est une zone interdite. Moi, je vais la city na bangote. Bande kouana, ba bimi, pe ba mizi. Parce que c'est dirigé dans Gongo et dans Zélawana. Barricade, moko, dispositif policier, moko. Et tiens, mi wana. Et ça pour nous permettre à ce que, ba tout. Ba bande kouana, ba okat, c'est un périmètre. Et c'est ni wana, mais ça risque de perturber la circulation. Nangambo wana, kolumana, BCDC, ti, kokoma na gare centrale, ça risque de perturber. La circulation nanga mboana to kolobela ngo pe na émission na biso ya mokolo le mokolo ya lobby et quatre leaders na point de presse ba tenaki ko sala city na bango mokolo pe ba lumu to ko pekisa bango te ba denonsa ki bongo pe interdiction oyo Moïse Katumba zaki victime nango pona ko kota na Congo Central nanga mbola epe vice premier ministre ministre intérieur maître Peter Kazadi azaki liboso ya ba pazi sango atalisa ki ete Baboyeli Moïse Katumbi a kota na Congo Central te, ba selaki na ye a décalé moi mouke, c'est la même information.
il y a conseil à sécurité, conseil à sécurité, quand on va parler gouverneur, gouverneur, il y a Congo central, il y a un président, ministre, vice-premier ministre, ministre intérieur, a rassuré la population, et l'opposition, qui a eu un atteint pour la commiser, pour la vendre ça. L'État, Ngumba Mobimba, démocratie du Congo, Almalobanel, Soussou, a dénoncé qui ses comportements avant de l'opposition, aux Alaka. Mingi na mosala eza komemaka a perte en vie humaine na ngambo ya population le bi gouvernement kotika la kozala intimidete na démarche wana oyo komezo me makufa na kati ya bayimbo ka Félix Tshisekedi Tshilombo président de la République azali ko séjourner na ngambo ya Pékin na Chine et si ko wa pasali na première visite officielle na ye a kozala na Chine til 29 mai prochain masolo ezali ko beta mingi kuna. C'est un cadre de la coopération bilatérale entre Chine et la République démocratique du Congo. Bon, ça a été que les Camboya contrats sino-congolais et au Ipe Rosala n'a mené à Masolo Tata Mokonzi à Robeta Kuna Nangambo à Chine. Elle a accompagné la ministre Bélé, notamment le ministre, premier ministre, la ministre de la Défense, la ministre Bazali Bélé Bélé Nakati. Il y a une délégation à Etourou Belango, une émission à Bissot, il y a Mokola Lelouata, na Kobrosen. État des droits. Compréhension et incompréhension des textes par les acteurs politiques, majorité comme opposition, na mboka na biso. Est-ce que l'état de droit est bon à un avantage ya baye bazo kamba, un désavantage ya baye ouyou bazali na opposition? De réfléchir. Est-ce que la zone interdite, il faut zala pour la bande de opposition? Non pas pour la bande de cours, mais c'est un pouvoir. Tout le monde a réfléchi. Est-ce que les activités de la majorité sont les bienvenues? Par contre, l'activité de l'opposition, il faut la réprimer. Et puis, tout le monde a réfléchi. Tout le monde a réfléchi. Est-ce que ce que vous allez sortir officiel, il y a une union sacrée liée à sa mystère des martyrs, même si triomphe, oui, les rêves allaient bloquer l'entrée d'Angola à parler du peuple. Moutarosa, les noms, quoi, ça, mais ce que ça allait en opposition, et Sengeli, Kobeta, Kobengana, Kobeta, la gaz lacrymogène. Est-ce que ça allait être mauvaise lecture? Il y a un texte dans les Kambotali, état de droit, Tokolobelango, une émission, Nabiso, Yamoukola, les noms. Pas de sanctions jusque-là. En droit, il y a gouverneur, il y a Congo central, beaucoup ont prédit des sanctions pour d'ailleurs que l'on s'en a maillé. Oyo, il salemaki, mokolo. Il y a mardi, tant que Moïse Katoumbi, il y a Kota, il y a Congo central, beaucoup de gens ont parlé des sanctions, mais sanctions, et ça, et puis ça m'était le colon. Par contre, le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a pris possession, en avantage, a pris plutôt pour la part, il y a gouverneur, à soutenir. Est-ce que et bongite na baeba ko kamba la République ba pese exemple moko malamu lobi na Congo central city de Mongue Salema ki na assemblée provinciale ba tbaza ko senga départ ya bureau mobimba ko bana na président Jacques Novemba Machakado pe na bato nyoso bazakana na bureau ba kene na bango je sais d'entrer en contact avec le cabinet à président Jacques Novemba ba lobi ko na militaire la Lucha ba zali ko beta li solo. Il y a 6 millions d'euros, selon certaines sources. Le gouverneur à Congo central a défaqué pour. Selon le gouverneur à Congo central, il fallait payer les travaux et le salamaki asphaltage. Il y a certaines villes à Congo central, mais pas de quoi l'Assemblée provinciale, selon le député, a déposé une question orale avec débat. Le gouverneur n'avait pas respecté la procédure. Dans le gouverneur n'a pas respecté la procédure. Il n'y a pas d'éclairage jusqu'aujourd'hui autour de cette question. Il y a Ngwana, Bandeko, il y a Loucha, Bamounoko, la présidente, il y a ensemble pour ça, ils complice la démarche Wana. Il y a Ngwana, c'est un départ, na EP, à bureau Mobimba. Ngwana, Jacques Mbomba, Machakado, a rassuré que y a Ebisinanga et Ebis, la population, que y a jamais cause à la complice, a jamais cause à la complice, il y a opacité à gestion, les solo, il y a 6, il y a 6 millions, ceux qui 3 millions, ils sont prêts à reconvoquer. Plénière Moko pour Nako Beta Lissolo Nayangom. Deux invités, parce qu'on a mis sur la plateau, il y a Moko Alele, Bilenge, Maël, Epe, Abouanya, Baye, Tobeta Lissolo, Yamboka, Lissolo, Yabatou. Mais le premier ministre, on a marre à mon avocat, on a eu. Le gouvernement, ça m'a dit, on a eu un maman, moi, et Tamboule, les Moko, moi, malam, on a eu un gros gouvernement, on a eu un geste, on a eu un maloba. On a eu qui passe,
ndenge misoso to salaka soki to neki na ndenge misoso to sala ko zi promotion na ndenge bino so ko sala kezali kamunini mama na mituni. Est-ce que vous aussi à cause à tenir le kumu au-delà ya makambwana koto mama to ba moni photo li bumoza ya kovimba ba moni photo li bumwekei elagi excès de mal ya mungwa to ezalagi kibeka nazo tuna. Est-ce que vous prenez le temps dans le gouvernement, dans le premier ministre, il y a un peu de conduite. Surtout que vous avez dans le ministère, le rôle de la RPST. Et si vous conduite, nous avons besoin d'exemplaires. Mais bah, une photo, dit Boubou. Bah, une photo, dit Boubou. Mais si vous avez vu mon beau, c'est ça, les sous-montés. On est au dans l'homme, les hommes mariés. Les hommes mariés, tu as bien dit les hommes mariés. Donc, ça va vivre dans Bango. Vous avez une moto. Vous avez une poste en zoto. Vous avez une moto. Définis-toi. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. C'est un problème. Si vous avez des gens qui ont été en train de se faire, vous avez un problème. Vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Mais vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Vous avez des gens qui ont été en train de se faire. Vous avez des gens qui ont été Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Merci. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un téléspectateur. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Je vais vous donner un peu de temps. Autorité morale et formation politique. Le professeur Modeste Batilkwe. Je crois que sur ce plateau, pour réfléchir sur des questions importantes pour nous éclairer l'interne à Bakongole Nyos. Merci, maître Jonathan Gwele. Vous êtes président du parti politique. Hein? Pour l'amour du Congo. Pour l'amour du Congo, on a pêché au bout. Mbote ndeko trésor, mbote na bakongoma ni banso bazu le baka kolanda biso na ngonga yi. Mbote pe na bana mboka nyoso bazu mata déjà liboso ya seni pour na city na biso parce que loyi batata bakambi ya la force de tobeng na bango, ba décida ki conformément à l'article 28 de la Constitution de l'Ingomba Congo, où les Européens ont mis sur ordre, il y a un exécuté, par ordre, ni en sous manifestement, il est illégal. On a une disposition légale de mon côté, où il y a un petit droit dans la municipalité, dans le gouvernement, et il y a un décalé, il y a apprécié l'opportunité en marche. Il y a une disposition de mon côté, légale, tout réglementaire soit-il, ou et pc droit la municipalité monko topé na gouvernement monko et boya to est décalé to est proposé itinéraire marche donc si tu n'as sur les tout maintenir yango on va payer après wa na kozali bosso ya seni parce que nous pensons qu'il est temps de désobéir à tous les ordres manifestement illégaux qui nous sont imposés tels que devait l'article 28 il y a notre constitution mboka na biso yemi balé nazo singa pe les sous. Nazozela, nayoka inde kokaza di lobby a brandir biso lettre contenant accusé de réception au gouvernorat à Congo central et comme bande ensemble pour la République en rapport avec les deux activités annoncées parce qu'il faut que le bas ensemble pour la République. Là, brandir lettre. OK. Où ils ont accusé de réception. OK. Au gouvernorat à Congo central. OK. Et comme l'ensemble pour la République. Pour ça les deux activités yo lingo sala parce que ça mi balé. Et ngai ça la kasangulu na ya mwana. Ouais. Aibi ça été ko sala ya ngote to décalé en toujours elle a accusé de réception wana. En fait là tout na balama mutuna. Donc cette communication est passée dans les réseaux sociaux, il y a pas eu d'une manière administrative que ba komeli bureau ensemble et puis bureau ensemble d'accuser réception. Parce que selon le gouverneur, cette communication est passée le lundi dans les après-midi. Na bandeli les sous-sous. L'administration, c'est la traçabilité. Oui. L'administration, ce n'est pas les réseaux sociaux. Ok. Tous ceux là, Bissou, un membre à la force, tout le monde a lettre, Omba doit signer, appeler ses services courriers, bah, transmettre l'ensemble pour la République, accuser réception, il y a réponse, il y a lettre ensemble, comme il a dit. Pour les deux activités. Ce qui est le ali, bala qui s'habille sur un accusé de réception ensemble. La colis qui a été, awa, tu as un solo à la vie à batoté, tu as un solo à argument. Ok. Moto a gagné ta vie à batoté, tu as un solo à la vie à batoté. Mais sinon, tu as un argument, tu as un solo. Ok. Monsieur le gouverneur Guy Mbadou, on a dit que tu as un dongé, tu as un dongé.
Est-ce que ça les magi kaka na ba réseaux sociaux ton ndenge maître Jonathan Ngoy la lobby yayi ndenge ensemble a komela que d'une manière officielle est-ce qu'il y a eu aussi d'une manière officielle lettre na yo ko singa na bango te bande ko visa ça bon décaler de 3 de 2 jours de 3 jours le temps tout ça va disposition sécuritaire est-ce que ça y on m'informe que Martin Fayulu Moïse Katumbi Bauti, Martin Fayulu Moïse Katumbi Delice Sanga Matata Ponyo Jus Bongeli je les vidéos na otin de la yango Bauti kokoma Bauti kokoma siko na lié ya sitim mais il y a un dispositif moko za liwana za bloqué bango ba katisate de ko Eric est-ce que il y a un dispositif constitutionnel où il s'accotia, il s'accope qui s'abîme sur la place, au-delà où il est banni, parler du peuple, parler de la nation, où est-ce qu'il est banni, c'est-à-dire un espace inviolable, autre qui est indéqué, comme ça la manifestation, autre bien qui est pacifique. Par rapport à ce qui se passe, on peut bien définir ma zone neutre depuis novembre 2021. Merci beaucoup pour la question. Alors, c'est Pelipo Lobby. Kobila définit ça qui va zone naître depuis novembre 2021. Mmh. C'est-à-dire, on appelle ça des zones rouges. Mmh. Où déjà, il y a un mécanisme qui est identifié. Je crois que l'article 26 de la Constitution et lobby, la liberté des manifestations est garantie. Mmh. Toute manifestation sur le voie publique ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. Mmh. C'est-à-dire, lorsque vous voulez organiser ce qui est en Nabino, ce qui va marcher en Nabino, vous devrez informer les autorités. Alors, le but est un principe, ce qui est information, c'est-à-dire dire à l'autorité que tout ça qu'on organise. Mais lorsque vous informez, c'est pour que l'autorité s'aligne. La question fondamentale, tout ça qu'on s'est posée. Lorsque vous informez l'autorité, au hasard qu'on gère une ville, une province, une entité. L'autorité aux actes informés, mais Moussa Neza, ni. Azoba mesure sécuritaire. Apprendre la mesure sécuritaire. Mais ici, j'aurais écouté de Kounanga lobby, Maître Jonathan, à lobby. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui interdit, qui demande à une autorité d'annuler ou de reporter. Je me pose la question demain s'il devient gestionnaire de la République, dirigeant de la République, après que tenir Balanga Johanna. Lorsque vous informez l'autorité, Azoba mesure ou habilité pour la sécuriser Bino. Avoir mesure habilité pour la garantir bien-être en abino. C'est-à-dire vous laissez marcher, mais vous sécurisez. Ça aussi, c'est la responsabilité, n'est-ce pas, il y a une autorité. Mais, et puis, je sais qu'il est maître. Lorsque vous informez, je sais que le gestionnaire prendra acte. Et puis, après définir, vous avez dit, bon, peut ça biso ba itinéraire et le bino boulingi bozoa, banze la pomiso, tout le monde canalisé en haut. Bien dit, attends, dans une relation, prenons le cas de ce qui s'est passé au Congo central. Oui. Il a dit, les blocs à travers un parti, ensemble, parce qu'ils sont tous du bloc, c'est ça la force. Hein? La force. La force à travers l'un de ces partis a informé à l'autorité. Et la force a donné les deux lieux du meeting. Congo central, Mwanda. Ouais. Mwanda. C'était commis. L'information est passée, je crois, une semaine avant. Hein? Une semaine avant. À la veille, la force arrive à l'entrée à Congo central, il y a interdiction. Mais la force veut avoir la communication d'une manière officielle. Il y a autorité. Est-ce que le silence, il y a autorité, ne veut pas dire le respect de la procédure? On avait été informé, on dit oui, s'il y a eu un empêchement, tu aurais peut-être informé Nabino. Très bien. Moi, je commence à parler d'un haut précédent qui déjà. Ok, vas-y, avant tout, tu es à Congo central, puisque c'est un peu mélangé. Okay. Je parle d'abord de cette activité qui était organisée le 20. Ok. C'est-à-dire que. Non, tout le monde, ça m'a fait. Mais ça a relié, puisque ça a lié, ça fait partie de la vie. Évidemment, ça a lié, marché, et puis après, sitting. On est en vrai relié. Il est membre de la force. Non, c'était. Il y a Congo central, c'était Moïse Katumbi. Okay, c'était lui. Okay. C'était pas lié à ma tata ni aux autres. Je n'ai pas vu ça. C'était Moïse Katumbi qui a écrit, ensemble qui a écrit, na Congo central. Okay. Mais il y a marche, c'était leader opposition. Les autres, ça m'a l'élo, ils allaient leader opposition. Alors, je vais parler du Congo central, mais commençons d'abord. Parce que moi, je suis dans les textes. C'est-à-dire, lorsque vous informez l'autorité, c'est pour que l'autorité a sécurisé Bino. Si l'autorité a informé Bino,
que bah, il y a au besoin, n'est-ce pas? Moi, je vous dis qu'il y a de l'insécurité, mais je vous demanderai, n'est-ce pas? Il y a qu'on soit itinéraire, mon chouchou. Pendant ce temps, nous sommes en train de travailler pour éradiquer cette insécurité. Vous ne devrez pas dire que ton ça est annoté, ton kédéga va essayer de se toligner. Parce que il y a une vie là-bas pour gérer. Alors, de l'autre côté, il y a ce que nous appelons une rébellion. Azali juriste, Azali maître, lorsque vous vous rébellez sur ce que l'État vous dit, vous rejetez ce que l'État vous dit. Puisque si quand Bitumbe Bandaki, et lui est si caroyo, et il n'y a pas de bango et angoanate, bango va comme un dingue. C'est une question qu'il faudrait s'imposer. Donc, vous informez qu'on peut, l'autorité prend acte pour vous sécuriser. Alors, ce qui s'est passé dans le Congo central, tous nous avons déploré, particulièrement moi. J'ai eu à tuter, j'ai eu à parler de cela. Je n'étais pas d'accord puisque l'article 30 de la Constitution a dit clair. Il a dit toute personne à la ligne a droit. Il y a que Tambola ici, quand il y a une ligne dans le Congo, il y a que résidence, etc. Donc, l'acte que nous avons vu, où on a empêché Moïse Katumbi, il y a au Comana Congo central, nous en avions dénoncé, particulièrement notre parti FDC, nous en avions dénoncé pour dire quel a été l'argument fondé par le gouverneur de la province du Congo central. Et donc, par la suite, na katia conférence de presse à l'OBI, qu'il aurait informé na Moïse Katumbi, na Batunaye, que c'est vrai, on va pèser qui est dato, il fallait pas à Sénégal, d'abord, je crois, entre 48 heures, quelque chose comme ça, 48, l'État, 72 heures. Évidemment, l'État a organisé. C'est-à-dire à organiser. Bon, la question maintenant se pose, maître Aloubi, quel est ce document qui démontre la suffisance qu'il a saisi l'ensemble. Il a saisi. Mais c'est maintenant à lui l'autorité de pouvoir, puisqu'ils ont demandé. Donc s'il lui pose comme c'est... ça, oui, ça fait une question. L'ensemble, basé à documentation, basé à document. Mais évidemment, bon, ce qu'on ensemble peut faire Bissabisso, à l'exception du document audio, il y a saisi pour la continuité de la gouverneure par rapport à visite Yenabango. Na Congo central, et puis évidemment, je vais vous laisser parler, évidemment, meeting na Bango, il fallait informer. Informer pour la visite, pour la meeting. Pour la meeting na Bango, non, mais évidemment, pour la visite, pour informer. Pas, je ne parle pas pour la visite. Okay. Pour la meeting na Bango, na Congo central, à l'accès au document, Oyo, il a informé l'autorité. Et puis l'autorité, la province, Yepé, le coup la lobby, qui après ça, il m'a 48 heures, qui démontre en suffisance un document qui justifie qu'il aurait dit que, et vous savez, nous avons vu le gouverneur de la ville, il y a opposition, qu'on a échangé la bamo. Ils ont travaillé ensemble. Alors nous voulons voir si c'est par correspondance que nous voyons. Oyeruti n'est pas ensemble avec Moïse Katumbi, non, Oyeruti n'est pas gouverneur, pour justifier. Puisque vous ne pouvez pas demander au gouverneur de vous brandir un document qui justifie ce qu'il aurait dit, alors que vous n'aviez pas brandi le document qui justifie que vous avez informé. Ça va, c'est là. Avant de la Kinshasa, maître Jonathan Gouala a répliqué na Makambu de Kouerik à l'obé. Entendant, on va passer sur l'image à marche. Juste pour que les gens aillent. C'est bon, c'est parti. Merci Ndeko Trésor. Yaliboso. Batuit. Yendeko Kamita tout. Non, Nanouté, Botchana Nouté, Zala Nikamsous, Rosa Dignalilo. Merci. Juste à la peine à tenir les mamsous et à dos. Yendeko Kamita tout. Okay. Journaliste et mon copain à place et ok, Moussika au côté de la page officielle Facebook et Ensemble pour la République. Au moins, acquisé les réceptions. Voilà. Ok. Oui, lettre Ensemble pour les pour les deux activités. Ok. Bah, tu as une photo et accusé de réception à gouvernement. Ok. Nous ne parlons pas des choses que nous imaginons. Ok. Nous parlons des choses vraies et vérifiables. On est le mal. Monsieur Ami Balé, dans cette constitution, et même si on okay, a un service à documentation et à l'Assemblée nationale, au Sénégal, l'action des travaux préparatoires et la loi sur les manifestations publiques, nulle part il est donné droit à un gouverneur ou à un chef de municipalité d'apprécier les choix des itinéraires, les dates et même les modalités organisationnelles. C'est ça le grand problème avec vous. Les textes, vous n'en maîtrisez pas. On n'informe pas pour que l'autorité puisse prendre lobby. L'autorité, voilà, il vous demande les itinéraires. Non. C'est dans la lettre d'information même qu'on précise déjà les itinéraires. C'est une recommandation de la loi sur les manifestations publiques à retenir pour la vie. Nous avons nous donné des itinéraires. Sakombi et rond-point Kianza. Le gouverneur n'a pas compétence, je l'ai dit à la télé, de nous dire non, vous devez renoncer à un itinéraire pour un autre. Aza n'a droit ou un acte, à 11 heures, à un peu de ville, à un mobile, à un changer, loi ou un acte. De deux,
Si on ne maîtrise pas, on pose la question. Les gouverneurs ne sécurisent pas. Ils impliquent les services chargés de nous sécuriser, nous, qu'on appelle police. Qu'est-ce que vous racontez là? Et cette police est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Mais comme une ville doit avoir également des éléments, Yango va affecter police pour la ville. On parle de commandant ville. Vous n'avez pas à nous dire ici qu'il doit poser des itinéraires. Qui est-il, d'après les textes, pour poser des itinéraires? Il n'est rien, si ce n'est qu'une autorité administrative qui est censée prendre acte. Non, il ne peut que prendre acte à ce qui est. Et s'il a des éléments sécuritaires qui empêchent... Voilà. C'est notamment la discrétion. J'arrive. Ça même était l'objet de la bataille préparatoire. Père son âme, le sénateur Lokondo en son temps. Il a soulevé la question. Mais si les conditions sécuritaires dans ces cas-là, les gouverneurs invitent, les organisateurs et qu'ensemble, ils décident pour que les organisateurs décident d'une prolongation. Je le redis encore, tout le monde en plateau, c'est un texte. Réglementaire soit-il. On veut que ce gouverneur doit être décalé et bimaté. Parce qu'il n'y en a pas. Premier manche, deuxième manche. Nathan, article 28, Tawate. Balobi, ordre de son manifestement illégal. T'es obligé de l'exécuter à noter. Ça, c'est le texte, c'est la loi. Et la première de tout, c'est la constitution. Les lois des Congo-Bila. Ami Pessi, droit à redéfinir ma zone où il y a un abusivement net. Ton côté, tu as souvent la zone net. C'est là, si tu as la marambouana. Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Delice Sanga. Image aux hommes en Angola. Na arrêté mon co, na novembre 2021, le gouverneur de la ville a défini des zones dites neutres. C'est le gouverneur de la ville. Au-delà il y a Oyo, constitution appelle ça Oyo, truc au violet, notamment parler du peuple, parler de la nation. Gouverneur Atsuaka, nzela aéroport Angili ti na 16e rue, ti aéroport Angili zagi neutre, à l'UP boulevard du 30 juin là-bas quoi où ils allaient neutre. Bande ko bango no zo mona bango presque bango nyonso bazawana empêcher la dispositif policier pour être ba atteindre esika wana. Définition à zone neutre pose problème d'entendement na biso ou encore ngobile talé à l'encontre de la constitution. Na bande za 2 minutes na kozongela. Na bande li ya 2019. Tolobaki tozo kende na ba velléité dictatoriale. Mais na souka na yango to lobi to koti de plein pied na dictature. Constitution atika ba poche vide te. Azwa ki droit ko définir yé moko ba zone nette. Loi sur les ETD. Et le besoin ba domaine mosus. Oyo ba responsable ba entité wana. Notamment assemblée provinciale. Bah, conseil municipal, bah, ça chargé à pour définir, pour réglementer la gouvernance. Tout le monde est en train de se faire. Dans l'année, il y a Gombe comme zone nette. Dans l'année, il y a Massina, quartier comme zone nette. Je dis ok. Mais il faudrait que l'on parle, on en parle tout solo là. Opéra, c'est pas mobile. Binobo sur la nette. Oui, on a même ETD, on a sur les ETD. Ok. Oyebisa, représentation nationale, tout provincial, tout conseil municipal, que tu as l'objet Oyo, mobile Oyo, raison Oyo, n'est tindingaï, n'a consacré en deux zones nettes. Nous serons beaucoup plus heureux, nga personnellement, comme juriste, parce que on a za avocat, on a za analyste politique, juriste. Il y a comment on a été dit, qu'est-ce à la recommandation, mon corps, il y a représentation provinciale, couché, n'a arrêté. Je serais très d'accord. Pourquoi? Parce que la carte n'a pas motivation. Parce que lorsqu'on dit par exemple que Gombe comme zone nette, quelle est la menace nette qu'imprime la Gombe comme zone nette? C'est déjà ça la question. Et puis Gombe, il y a dit,
Alors, les choses sont si manquées. Na presque, comment on appelle ça? Avec les chahines d'Aoutek, on a tambola, on a tambola, on a tambola, on a tambola. Na ok, on a tambola, on a tambola. Tous les gens qui ont la chahine, ils ont la défense. Pour raison de sécurité, par contre, ils ont besoin de netteté. Tous les gens qui ont la zone de défense. Oui, il y a. Et si quelqu'un vraiment je suis à Fanda, et qu'on commence à netteté, ce n'est pas toujours à Bakabou. Donc on comprend immédiatement que l'on ne veut pas que les gens puissent s'exprimer et à haute voix. Donc si on a Bakana Bango Moko, combien de fois ceux du pouvoir, malheureusement pour nous, ont été là pour 2 heures et 2 heures sans interdiction? Sans interdiction. Donc aujourd'hui on comprend et on sait vraisemblablement situer ceux du pouvoir. Ils ne sont rien d'autre que des narcissiques. Merci. Pas... Des dictateurs. Merci. Parce que. Zéla. Ne corrige pas. Gombango kaka. Dès que tu as dit 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 définition à zone neutre. Parce que ça nous a une illustration. Nous avons bloqué les opposants, comme à tel Iboso Seni, pour avoir l'espace où nous allons zone neutre. Ça les dispositifs où nous bloqué les opposants. Est-ce que décision arrêtée à gouverneur, et ça nous a un élément où nous allons justifier définition à zone neutre. Avant dit ton moro boya quand c'est le staff moi cause la côté wana to kenda ko staff mais to empêcher ba tumsu subaya ou encore il se donne du pouvoir au yo même mon beko li cause to ben constitution précise de quoi traduire kalafai na wiki ndo que j'entends za koloba bon abiaza a sur le plateau ali analyste politique je ne vais pas côté statut avocat à wabogotier mal à l'aise à vous même sanctionner OK mais qu'est-ce qu'on entend par alobi gobilaza Aza il côté. Nabi selon par rapport à l'Italie. Mais c'est ça non? Oui, par rapport à l'Italie. Il y a marche. Il y a marche au sitting. Mon bébé connu conseil. Et le vie, mais aussi le côté. Voilà. Il faut te préciser en anglais. Mais il y a le bongo. Mais écoutez, est-ce que Gobelin n'est-il pas. Déjà gouverneur. Non, pas gouverneur. Gouverneur comme l'Italie. C'est pas une autorité administrative. Oui. Et qu'est-ce qu'on entend par une autorité administrative? On va face à un intellectuel. Qu'est-ce qu'on entend par une autorité administrative? Monsieur Jonathan, vous êtes intelligent, mais je ne vous reconnais pas. Une autorité administrative, il a des compétences au EPCI. Il a des décisions à Zouak. Élevant même de la Constitution. Même dit, c'est-à-dire il a ces pouvoirs-là. Ils ont reconnu une autorité compétente. Il peut prendre des décisions. Attention. Au bas, les compétences sont d'attribution. Évidemment. Okay. C'est ça une autorité administrative. Pourquoi vous voulez Colombo-Laïe comme étant une autorité administrative? Oui, puisqu'il gère la province ville de Kinshasa. Toutes les communes, elles ont beaucoup, mais elles ont des informations. Namasina, tu es Zali, tu es Babou Maka, 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 Babou Maka. Bon, tenir l'information comme la Constitution et le binabino, oui, c'est vrai, c'est la Constitution qui vous a dit. Bon, informer, te retenir, marche. Comme étant une autorité administrative, il n'a pas rejeté votre marche qui est reconnue dans l'article 26 de la Constitution. Il dit, oui, j'accepte votre marche. Mais je pense avec les éléments dans un en possession, qu'il ne faille pas dans l'itinéraire, puisque vous fixez qui va l'itinéraire, le bien, ça compte dans 15 ans. Alors, il va l'itinéraire au Pessingaï. Tout ça qu'on considérait en gros comme zone rouge. Na sengi na bino. Puisque vous avez y a échangé. A vous ce que l'obawa. Et le comorote Thomas le Condé, Naba Travo, Alba Kino, écoutez, lorsqu'il y a Bablo, il faut que ma deux parties basent l'ensemble là sous la main. Est-ce que deux parties. Henri Thomas le Condé. Henri Thomas, je n'ai pas refusé. Il donne bien son nom. Je n'ai pas refusé. S'il vous plaît, c'est ça là qui m'a. Dans la tigre qui est là. Non, il n'y a pas le nom. Il appelle son nom. Henri Thomas le Condo. Le Condo. Voilà. Alors, il mais il faut les travaux préparatoires, ils là-bas sur le etc., entre deux parties. N'y a-t-il pas eu ces travaux? Quand ils ont été reçus avant le 20, Kobila a pèsé à l'Ebina, bon, itinéraire Oyo. Bonjour, Oyo. Pour Oyo, selon ma information, ils ont zone rouge. C'est ça aussi un rôle
d'un père de la vie. Mais ils ont refusé. Ils ont refusé. C'est-à-dire, ils n'ont pas reconnu l'autorité compétente, une autorité administrative. C'est quoi ça qu'on a dit? C'est quoi ça qu'on a dit? Heureusement qu'on a dit que vous avez analysé le acteur politique, sinon vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit rébellion. Alors, par définition, zone neutre, ce que le gouverneur entend par quoi zone neutre? Il prend des éléments où il peut définir la zone neutre. Il y a un gérer ville, contact dans le service de renseignement, contact dans la police, etc. Pour ma cambo, mon avis, Kienza, vous avez vu que non, au-delà du fait que la police a réprimé marche, nous avons condamné les Salamaki. Je suis d'accord, on a condamné Ango. Mais nous, du côté de mon équipe, nous avons simbi ma banga, nous avons simbi ma machette, nous avons bondi ça la police. Alors, quand l'autorité a mis zone rouge, ce sont des zones zone nette, zone nègre. Bon, zone nette. Rouge, c'est à dire, évidemment, les amis, zone OIE a identifié Ango. Peut-être que ma zone OIE est créée, mais par exemple, au niveau à Séniwana. Je vois, je me rappelle récemment, il y a eu des gens même qui voulaient lancer des pierres dans Séni, dans l'immeuble à Séniwana. Voyez-vous? On a mis Adel Kaïm dans l'école. Bon, moi, je ne peux pas défendre Adel Kaïm. Adel Kaïm, il était pour que nous avons la cité de Bosso à Séni, à l'école, quoi, que l'église n'a eu. Maintenant, il n'y a pas de bazar. Mais Bango va définir que Toroya de Bosso est à Séni. Or, il avait déjà arrêté Sibi. Arrêtez Zali. Et ça, voit par lesquels, vous par laquelle, l'autorité de la vie, n'est-ce pas, c'est la vie. Il décide, non? C'est par l'arrêté qu'il décide. Alors, quand arrêté Bimi depuis le mois de novembre 2021, est-ce que l'image qui peut te dire que non, bah, ton opposition va bah, organiser marche, ton sitting, bah, bon, c'est pour tout le monde, que ce soit ceux du pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition. Alors, pourquoi réduire l'autorité à Gentini Kubila? Pour que le lobby ne peut pas combattre. Si vous n'avez pas combattu, ceux qui peuvent rébeller, côté de la c'est vrai, vous avez informé. Mais c'est lui qui gère la ville, c'est lui qui vous dit. Est-ce que, 30 secondes, tu peux se faire dans 30 secondes, est-ce que toutes ces décisions sont prises pour étouffer la liberté de ceux de l'opposition, étouffer leur mouvement? Parce qu'on a comme l'impression, ce qu'ils allient, battent à pouvoir, même zone neutre et aéroport, on leur laisse passer. Pouvoir au temps dernièrement, je crois que c'est l'année passée dans la zone neutre. Parce que zone neutre, on a défini ça à l'aéroport en 16e rue. Il n'y avait pas de problème. Est-ce que ça te fait étouffer la liberté avant de composer? Oui, oui, oui. Tu n'avais pas les contacts qui n'ont gombé. Alors, quand il y a gombé, quand ça donne les capots qui l'église, et tu n'es rien à l'église, à l'église, on a joué, peut-être direction à l'église. Mais il y a besoin de les amis côté, les marouins pour nous faire un meeting, pour nous faire une revendication, et c'est quand ils allaient cibler. Ils attaquent pour nous pouvoir, et ils interdit. Pour pouvoir pas faire la marche à quel bosse, c'est dire félicitations, on a chez nous, pour n'est-ce pas, le roi a été audité, fiché, etc. Par contre, ça la peine, on n'a pas félicité, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, ici, il ne faudrait pas dire que Bazak est défini pour l'opposition. Pour soit définir ça pour l'opposition. Mais tu n'as pas l'indaki au pouvoir et l'indaki bouillant marche. Le roi a pouvoir accepter marche n'a pas bon. N'a pas bon, tu as accepté tes points et vous allez marcher. Le roi va prendre acte, n'a pas bon, tout n'a pas marche n'a pas bon. Ça veut dire que la constitution a été respectée. Mais lorsque la constitution a été respectée, mais attention, quel est le rôle aussi de ce gouvernement? De cette police, tout n'a pas autorité administrative. C'est-à-dire sécuriser la population et l'air bien. Donc, pour sécuriser, avant les accotiers, avant en danger. Pour éviter ça, avant que tout est allumé, mais toi, pour ça, la moussale. Et puis, pour la rechute, est-ce qu'il y a dit que la police a kanga qui va machette? Pour montrer que la police, la police n'a qu'à la commissariat, la police a la machette, la commissariat, la machette pour la nango. Tout le monde est policier dans la machette à Simbi. C'est-à-dire, à Kani, il y a la machette pour la rechute, la dégâts. C'est ça aussi le rôle de la police, de sécuriser la population et l'air bien. Donc ici, il ne faudrait pas projeter aux pauvres dans le gouvernement. Il y a des responsabilités. Vous avez dit, ça va pas ça là. Et puis après, vous avez traité des gens incompétents, etc. Non. Laissez l'air dans la responsabilité. Et vous respectez aussi l'ordre qui a été donné. Sauf tout bazar qui n'a population. Attaque gouverneur, à l'obin, itinéraire, au revoir, vous avez peuple sort à Zana Bangou, à Kolandabino. Merci, Ndeko Eric. Bonjour, mon frère Trésor Kalafa. Je me nomme Borson Botou. Bobutaka, analyste, archiviste et chercheur congolais. Ma question est destinée à Maître Jonathan Gwele. Comment adhérer dans son parti politique? J'aimerais avoir plus d'informations pour arriver à leur siège. Bravo à lui pour son intervention sur le plateau des vérités. Merci Ndeko, je vois que Jonathan Gwele. Ayo Kimotuna Nayo, message à Bandekoze, Bele, Bolimbisangaï.
On joue des trésors, tout le monde est au FDC ou à Nan. Ce qui, comme la question, ce qui a comprendre ma cambazo, le bangobila, a beau itinéraire et opposition au profit, il y a la militaire, il y a IDPS, et non pour des raisons sécuritaires, Atika Bilobela. Merci Ndeko, Wanzama Lobanayo, je ne commente pas. Bonjour Ndeko Trésor, il n'a pas répondu à la question zone neutre, Balobina. Ndeko Eric a répondu à la question zone neutre. Message Mzouzanini, bonjour Ndeko Trésor, je suis choqué au salon pour suivre les débats. Je suis coaché au salon pour suivre les débats qui commencent par des textes. C'est ça que je veux, John depuis Brazzaville. Merci Ndeko John depuis Brazzaville. Juste que vous avez la question, à tout, on peut s'y poser comme un bel. Maître Jonathan Gwela, Vanazoua, point de presse, Peter Kazadi, et puis Ados Ndomba, je vous informe, adressé une question orale avec débat, adressé la vice-première ministre, la ministre intérieure, par rapport à Babavir, policier, et Salama Kimokola, Sami, que vous avez une question à la question. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que petit à petit, Bazako, Kangabino, la Kouamoko, Oyo, vous ne reverrez plus peut-être à s'émouvoir librement? Quelqu'un m'a dit hier, réfléchissons, est-ce que le fait que Moïse Katoum se retrouve à Kinshasa, qu'il soit empêché au côté Congo central, ça n'est pas fini pour lui. Est-ce que Tokomo a été lobby? Impossible de regagner Lubumbashi, impossible de quitter Kinshasa, de rester à GB, de passer tout son temps. Merci Ndeko Trésor. Il y a du bousso Fokoloba été, conformément à l'article 28, nous nous engageons à ne pas respecter les ordres manifestement illégaux qui nous sont ou qui nous seront imposés. Ça en attend l'article 28. Article 28, il y a constitution, il y a Mboka, il y a le Conseil de la République démocratique du Congo. Article 28, c'est le Biboé. Article 28. Article 21. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques et de bonne mœurs. La preuve d'illégalité manifeste de l'ordre incombe à la personne qui refuse de l'exécuter. Voilà. On va l'interpréter, ne vous en faites pas. Lorsque cet ordre viole les libertés fondamentales, on est là. Et c'est tout un chapitre dans cette constitution où on implique les libertés de manifestation, de réunion, de culte, d'association. Si qu'on se dit que Montemora a décidé de bien violer en haut, moi, Jonathan, je prends l'engagement de toujours désobéir. Parce que j'ai une constitution qui me donne ce pouvoir-là. On va plus loin. La constitution qui impose les zones neutres, il ne se limite pas à imposer les zones neutres. Il va plus loin, leur donnant le caractère inviolable. Mais malgré cela, plusieurs fois, nos amis, nos frères ont violé ces normes-là. On va plus loin, je l'ai redit encore. Avec Kaboul, les amis de l'IDPS ont violé l'espace, la zone dite inviolable, il y a parlé du peuple Bayaka. Kaboul a même tonné sur le général Amouli. On s'en rappelle. Je vais encore plus loin. On a posé ma question fondamentale là-haut. Je l'ai dit, on ne rencontre pas nos vies ici. Bapé sans la disposition, Ebisi Ngobila, changer itinéraire. Toi, apprécier l'itinéraire, il n'y en aura pas. Pourquoi il n'y en aura pas, Ndeko Trésor? Mais lorsque cet itinéraire croise l'itinéraire à Bandekomsou, pour éviter cela, on arrive. Malheureusement, on a donné des arguments qui ne tiennent pas debout ici. Il faille dire. Si vous avez un micro. Ça va. Ça va vous aider. Les itinéraires donnés, nous l'avons donné, nous avons donné deux. Pourquoi pour la ligne que tu l'as dit ce mot, comprendre après ça va nous sauce. C'est aussi ça la question. Parce que ceux, les barbares qui marchent avec la machine. Vous êtes responsable de la question. Si quand la personne. Il y a bonne conduite et à émission. Nous sommes en gagné. Mais laisse-moi m'exprimer. Vas-y. Voilà. Barbare, Wana. Oh, ma mission de mon aïe, c'est la jour, Wana. Bah, c'est qui est itinéraire, Wana. Bah, vous êtes en gagné, qui est en gagné, Wana.
pourquoi comment tu as comment tu as pas itinéré roi. Donc ça veut dire bisolé. Tout ça là doit repère d'itinéraire na biso moko au profit à bateau va saisir après biso. Est-ce qu'on est sérieux là? Je le redis encore, autorité administrative n'est pas autorité sécuritaire ou politique, non. Voilà. Je le redis encore. La preuve, c'est que tant que nous avons Komaka, nous avons 6 mois écoute en quatre. Les commissaires provinciaux qui me lient est tenu de prendre toutes les dispositions. Sinon, on a le ministre de l'Intérieur qui me lient. Mais attends, le ministre de l'Intérieur a été. Azon a mis le commandant de la police. Ça veut dire que celui qui gère la sécurité. C'est d'abord le commandant de la police ville Kinshasa. Ça, on doit maîtriser ça. C'est le droit administratif, père, son nom, professeur Yuma Biaba. C'est ça le droit administratif. Si vous sortez Motowana à faillir, c'est d'abord lui qui répond. Autorité municipale ou autorité urbaine ou administrative, bon, tout le monde, est-ce qu'il y a un format qui est? Mais il y a sous Moussika, la question de l'annulation ou le retrait à. Bon, refus d'avis, soit en rébellion. On se rébelle contre, un. Une disposition légale, deux, contre une disposition réglementaire, une disposition constitutionnelle, une disposition pénale. On ne se rebelle pas contre une parole. La décision de Ngobi Changa de Tibéan, c'est une parole. Il n'y a pas une décision. La preuve, c'est que Réunion a baronné la membre de la partie politique à la force. Ça n'a pas été couché sur PV. Une autre faute administrative. PV a des actes. Voilà, ça n'a pas PV en Guénon. Bah, signé qui bah, on y en sort. Il n'y en a pas. Pourquoi peut-être que tu n'as pas pu signer? Oh. Est-ce que Zali Nana? Est-ce que Zali Zaké? Souvent les lots, ceux qui sont en rébellion, oui, allez en justice. Mais pour qui entre nos questions, ils sont rébellés contre quoi? Votre décision est cochée où? Ils l'ont fait comment? C'est ça les grandes questions. Et nous, on a des bébés comme Lengi. Mais aussi longtemps que ces gens-là ne savent pas les bébés à bas du droit administratif, ils ne laisseront que des déchets. Je réponds à ce qu'on a question, dans le moment où l'article est récupéré, 30 secondes. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous avez au canton, Nebunu et Sikamoro, lorsque vous avez l'un de vôtres, où il y a un peu de maté à se mouvoir librement, peut-être un meeting, il y a un peu de mais il y a un peu quand même à côté, la Congo, ça peut être que moi, c'est un meeting, il y a des vices, même l'entrée a été empêchée. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez confiné dans le premier et au lobby pour attendre ce qu'on se mouvoir. Les autres, nous sommes contents. Gars, personnellement, on a laissé mon macasse. Vous avez 30 secondes. Ouais, parce que l'opposition avait dit qu'il a pété les loups. Avant de vous imposer, on va porter ma plainte. Avant de vous imposer, on va bavure. Avant de vous imposer, on va restriction de la liberté fondamentale. Ça, c'est l'opposition à péter. Et je suis très fier d'être dans cette opposition-là. Parce que les lots, je les redis encore, sur pied de cette constitution pour laquelle les gens donnaient des vies, pour laquelle les gens sont morts, moi, Jonathan, la force, nous engageons à ne pas respecter les ordres manifestement illégaux qui nous sont imposés et même qui nous seront imposés dans l'avenir. Parce que pour la Bissot, Constitution, yo, moto moko ta zala IDPS. Azala RCD. Azala MSA quoi imposer bisou. Moko à quoi imposer bisou contraire. Impossible. Les gens donnaient de l'air vie pour cette constitution et nous allons l'utiliser. Nous allons l'utiliser en bon escient. Merci. Donc la régie tout à la point de presse, il y a ministre, il y a intérieur. L'état qui a été congolais, qui a été fait pour tout le monde, qui a dit que c'est une expérience de l'opinion. Tout le monde a fait un peu de dos de masse à Bengisi. Il y a un peu de temps dans le Parlement. Il y a un peu de temps le samedi 20 mai 2023. Mais il y a un peu de temps Sylvain Zamba. Bonjour, Trésor. Le retour de la Maloukoupe est comme une zone neutre pour le monde de Bazakuna. Mais kendaka pe kuna donc maluke comme une zone neutre motune yango na toke na reji. Pourquoi vous voulez accréditer les comportements inciviques des opposants qui ont refusé d'obtempérer à ce qu'ils ont convenu avec les gouverneurs pour aller dans une zone où ils n'ont pas été autorisés? Pourquoi vous faites ça? Vous le faites dans quel intérêt? Est-ce que si chacun avait observé sa ligne, on aurait connu ces affrontements? Moi, je pense non. Moi, je dis plutôt, le gouverneur est intelligent, démocrate, puisque s'il avait refusé aux uns et accordé aux autres, on allait dire que voilà, il a privilégié tel au détriment de tel. Il a dit, ok, vous voulez marcher.
Avant cette marche, il y a eu une marche qui était projetée, je pense, le 13. Au cours de cette réunion, le gouverneur a fait état de ce qu'il y avait trois marches programmées le même jour sur les mêmes itinéraires. Il a voulu les partager en proposant à l'opposition de manifester les 18 pour laisser la date du 20 aux autres organisations politiques. Ça, vous ne voulez pas les dire. Et c'est l'opposition elle-même. Une question orale avec débat adressée au VPM de l'Intérieur suite à la répression dont a été victime plusieurs militants de l'opposition et la proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics ce mercredi 24 mai au niveau des services courriers de l'Assemblée nationale. L'élu de la Founa d'Osnombassi fistige le comportement barbare des éléments de la police qui se sont donnés aux bavures policières à outrance le 20 mai dernier. À l'en croire, le VPM de l'Intérieur doit venir s'expliquer sur ces bavures policières et du fait que le gouverneur ait autorisé les activités politiques des deux camps différents le même jour. Nous voulons savoir quelle est la quintessence de la formation de nos policiers en République démocratique du Congo. Quel est l'équipement accordé à la police congolaise. Nous avons vu pendant la marche des policiers circuler avec des machettes, des policiers circuler avec des chevrons 4 carrés, tabassant les militants. Et donc, nous demandons à ce que le ministre vienne répondre de tous ces actes. Mais nous avons aussi constaté que le parti au pouvoir aujourd'hui est en train d'entretenir une brigade, les forces du progrès, qui se sont comportés en milice avec des machettes, ils se sont attaqués aux militants de l'opposition. Concernant la proposition de loi modifiant et complétant quelques dispositions de la loi portant dispositions générales applicables aux établissements publics à deux. Merci Wane Zalinde Koado Sendombasi, député national Elia Founa, la liste est signée, question orale avec débat adressée. Na ministre Peter Kazadia Gopé Sabiano. Mais l'homme n'a point de presse, va tout à l'heure. Ministre, il y a ma force du progrès, il y a un bongo, et il y a un ministre qui a une force du progrès. Force du progrès, où ils allaient les lois. Ils ont été dans l'image, où ils allaient la force du progrès, béni par Etienne Tshisekedi du Wamuluma. Les lois, à l'objet, ma chèque, ma cota na kati, ma raté, nous sommes dans la partie à pouvoir y akala, ma cota na kati, donc force du progrès, la source de la langue, donc bien, mon voisin, sous qu'on reconnaît, ma cota, sur la zota, la bango, la pratique, la bango. Bonjour, Ndeko, c'est Rivers depuis Massina. Tant que la police va se faire bambeli wana, est-ce que bakanga ki yango na maboko ya bato? Il pose la question, la police va se faire bambeli, va se faire yango na maboko ya bato. La message est belé bandeko boli misam. Bonjour Ndeko, naza branché, naza lande émission, naza membre ya Union Sacrée, naza condamné ba décision ya gouverneur concernant marche à l'event. En plus, pourquoi Kobo ya Katumbi ya kende Congo Central, le président de la République, doit nettoyer l'Union Sacrée? Merci Ndeko. Bonjour Ndeko Kalafai, IDPS, Baye Bake Batu, Oyo Bakufa, Pona Koluka changement, Makila ya Batu, Wana Eko Ampeche, IDPS, Bako Sala et Lokote, Soki Batu Bakufa, Pe, Oyo Bazali, Kokufa, Pona Incompétence, Nabango. Merci, bonjour Ndeko Kalafai. Vraiment, Mboka Ezo, Oyo Ezaka Kapasina, Na drone Oyo Ezo Tambo la Likolo, et pour la nini, ba autorité en boka oyo ba yebite ke na kinto zalaka na ba kisenso kikoso vraiment pour la respect à ne va vu ba drone no tambola la kisasa pour ni ba autorité ba tika yango pour tout na ba kikoso na biso a nzambe kikoso na biso bo pesa kikoso na biso botosi bande ko ba message ze belé. Bonjour trésor chez de makaya tuna ba policier boye salaire na bango déjà e bongo e bongi poti le lo bazo sala kaka mais ceux so qui baza vraiment sage ba pesa ba opposant chance pour lobby ezala eza nzambe. Bonjour trésor baye bisi biso ke ba gaz e komi déjà ko bete na seni. Je voulais confirmer ceux so qui l'information est vraie, c'est Makamba Janel. Na o confirmé tout à l'heure, na o peso information. Bonjour papa trésor. Oyo batu ya pouvoir actuel bazo sala ezaka eza attaque to côté po bango basalaka opposition na bango boité na tangu ya Kabila baye ba ke mandesi. Bonjour trésor, pourquoi bloquer les opposants ko basali nini? Pourquoi
ngobila alingi toko mana guerre civile atika tu basa la activité na bango maman Nadesh guerre civile de koyate. Bonjour trésor, on vit que le pire avec Félix Yaboye Isalate ndeko trésor attaque à la place azali azo comme un régime oyo makasi c'est dan oyamba parce que ce zebele bandeko na kotanga nyo sauté. La loi sur la répartition des sièges, je vous accorde deux minutes, Bolo Belango, mais en répondant à la question, Anna, est-ce qu'on ne fait pas de Félix Tshisekedi un ennemi des institutions des droits de l'homme demain? Est-ce que tout ce qui se passe aujourd'hui, répression, interdiction, restriction des libertés, tout le monde Félix Tshisekedi était comme à la fin du mandat de Kabila, ennemi des organes, des organismes des droits de l'homme, et ça va encore isoler de plus les RDC, la scène politique. Et vous allez répondre par rapport à ce que vous avez vu dans les commentaires de la loi sur la répartition des sièges et qui tient ça qui rafle les plus gros morceaux du gâteau. J'aimerais rappeler à. Vous en avez deux minutes, c'est pas aux adjoints. Jonathan, Oazali, qui a interprété mal l'article 28 de la Constitution, Oazali, qui reconnaît un peu l'autorité administrative de Gentilin Gobila, nous avons rappelé que le droit administratif donne le pouvoir à l'autorité administrative. C'est-à-dire, il a des compétences, il a le pouvoir, n'est-ce pas, pour les alliés conférer au PCI. Donc, au Boyango, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et je vous dis encore, au Lobité, réunion à sécurité, etc. Le gouverneur de la ville peut convoquer des réunions de la sécurité à la ville. Il convoque la police, réunion sur il donne des précisions et tout ça. Il convoque les alliés, puisqu'on dit que le gouverneur a représenté le chef de l'État, Nakatia Yanine. C'est lui comme le chef de l'État de la ville. Okay. C'est le patron de la ville. Le roi Tshisekedi est garant du bon fonctionnement des institutions. Il n'est pas allé garant du bon fonctionnement, il y a ville naïe. C'est une autorité administrative, mon cher frère. Heureusement que vous avez la casquette politique et un homme de droit, puisqu'un homme de droit, tu ne pouvais pas dire ça. C'est un peu aberrant. Olobi, je sais qu'il connaît aussi les principes du parallélisme des formes de compétences. Ils ont un droit administratif. Alors. Et puis, article 28, Atana Kiyanga Lobby, je vais dire ça. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Ndeko trésor kala faille, Toyi Bambongo. Ils ont pris un ordre mal donné. Mais, ordre mal donné, exécuter, au lieu de bosser comme état marche. Mais bah, le but par rapport à l'élément tout ça pour la sécurité, itinéraire au PCO, tout le monde qui est aussi battu pour et que tu as mis en danger. Pourquoi? Pour l'article P40 à Conchard, le pouvoir public a l'obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. C'est aussi la constitution de protéger la population, de protéger la jeunesse. Et lui, il va dire qu'il y a ordre manifestement illégal. Quand est-ce qu'on a la question, est-ce que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, ils ont même félicité à Koma, tu sais que je parle, à comme un ennemi, il y a l'organisation des droits de l'homme, pour isoler, bisauter, et puis un petit mot par rapport à la sur la répartition. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que, à l'époque, à Kabila, nous avons vu la garde républicaine tirer sur les gens, Heureusement, la marche est celle qui va te profiter. Dans mon moment, on a bêta qui c'est vrai, c'est pas là qui était pour eux, il fallait qu'on aille battre pas le tribunal d'enfants, ce qui est vrai. Mais attention, je vous dirais que la police congolaise a été beaucoup plus professionnelle. Je vais les justifier. En 2011, aux États-Unis, il y a une manifestation aux États-Unis où la police américaine a tiré sur un enfant de moins de 11 ans pour l'année 2000, ça a pistolé, il a joué. Alors que bon, il faut réprimer la marche. Moi, on a joué l'espace, c'est un mouton. Et on a arrêté la police, les policiers. Un mois après, Bima, justifia l'intervention de la police pour dire qu'il était dans son service, il était en train de mettre de l'ordre. Donc si la police. Ça, c'est là, tu ne peux plus aussi condamner Bateau. Je n'ai pas dit ça. Non, non, Yoka. En disant cela, tu même qu'on justifie la police. Parce qu'ils étaient dans l'exercice de la fonction là-bas. Il y en a des j'ai dit ceci, que la police a été prof. On peut dire mais ça. Mais cette justification, c'est-à-dire que moi je parle du professionnalisme. J'ai dit je condamne l'acte à Rouboma. Mais j'ai dit que ici la police des flics, tu sais qu'elle a été beaucoup plus, je ne dirais pas, la police congolaise a été beaucoup plus professionnelle. Puisque hier on a abattu, Mabouma Batou, c'est une violation de droit de l'homme, ça c'est vrai. Il y a des autorités de la RDC à l'époque qui ont été sanctionnées au niveau international. Donc ici, ça a été fait d'une manière
professionnel. C'est vrai que bah bavir et ça, mais qu'on a mis les condamnant. Mais dire ici que tu sais que la Roumanie, on a quatre dictatures, on a un peu de droit, l'organisation internationale, et on a condamné, je crois que ce n'est pas ça. Même chose, respecter aussi les textes de la Constitution pour que l'État aussi fasse le travail. Merci, maître Jonathan Gondé. Est-ce que tu sais qu'elle dit, petit à petit, tu as joué une zéla, il y a comme un ennemi, il y a l'organisation des droits de l'homme, et puis isoler la RDC, si et seulement si Bango va juger avec teneur ce qui s'est passé le week-end, ce qui se passe aujourd'hui. J'ai envie de rire, hein. C'est pour la cinquième fois que l'honorable Mdomba s'y saisit l'Assemblée nationale par question orale contre le ministère de l'Intérieur. Mmh. Cinquième fois. Il l'a fait lorsqu'on a tué la petite Kalamu. Il a fait la marche Nabiso na Selembao, marche Nabiso pour soutenir les FARDC au poste d'avant Kenda. Et puis Sikono, quatre fois. Quatre fois. Mais aucune de ces fois-là, ya. Monsieur Mbosso, vous êtes tenu par la rédévabilité de l'histoire de prêter attention à cette initiative. Il faudrait que le ministre intérieur aille. Et le mal, vous savez, il est allé. Surpris. Alors que c'est lui qui gère les partis regroupements politiques. C'est le ministre de l'Intérieur qui les gère. Alors, on a une direction, mon corps. On a une direction à parti politique. Mais aucune fois, ben, invité à partir, on a été dans la milice, voilà, elle répond. Aucune fois. Tout évolue. Ben, les droits administratifs donnent le pouvoir administratif au gouverneur. Non. Les droits administratifs donnent des attributs au gouverneur. Messieurs. S'il vous plaît, Je ne suis pas responsable de votre ignorance, mais je vous demande. S'il vous plaît, c'est un souci, ça va. Donc, déjà, il faut noter que le gouverneur a des attributs administratifs. Il a le pouvoir politique qu'il prend. La preuve, c'est que lorsqu'il nomme ses membres du gouvernement, c'est lui qui le fait. Tout évolue. Attends l'article 41, on entend l'article 128. Comment est-ce que tu as dit 128. Voilà. La police nationale est chargée de la sécurité publique, de la sécurité des personnes et leurs biens, du maintien et du rétablissement de l'ordre public, ainsi que de la protection rapprochée des autres autorités. Merci, c'est ce que nous avons. Bah, il y a des places de Gongo Bila, à la droite sécurisée, mais conformément à l'article 42. Monsieur, il y a pas... C'est mon temps d'antenne. Il y a une telle demande de sécurité. Mais qu'est-ce que tu dis, maître? Pourquoi vous êtes maître? Qu'est-ce que tu dis? C'est la possible.